Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2, comme d'habitude. Un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, profitez du maximum de la qualité qui est à votre portée et kiffez, kiffons tous ensemble, vous et moi, autour de cette aventure. Merci à tous pour vos retours incroyables. C'est vrai que je vous ai pas remercié parce que tout ce que j'avais enregistré avant a été fait avant la sortie du jeu. Maintenant que le jeu est sorti, je peux voir les retours. Et ça n'a pas de prix. Oh là 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 là. On swingait ça encore, ça je te le dis. Hein. C'était par là, on y va. Faut contrôler toutes les salles. Ok. Allez, viens. Ça dégage, hein. Petite chienne. Aïe. Putain. Ah là. Petite chienne aussi, hein. Pff, attendez les gars, oh, c'est quoi ce délire? Le temps de rien faire ici. Hé, sur notre droite. Ok. Quoi? Ok. Voilà. Ça dégage. Bon. Sur ta gauche. Wouh. On se calme. C'est pas possible. Putain, ils ont même pas laissé le temps que je prenne une position, rien. Ils ont tracé, c'était chaud. Non. C'était vraiment chaud. Je vais utiliser un kit hein, pour être quasi full life. Sinon, ça me paraît compliqué de survivre dans cet état-là. Il y a un truc que je pige pas. Ok, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris ce que je n'ai pas compris. Hop, c'est rien. Désolé, c'est le stress. Quand j'ai un coup de stress, je mets des coups dans le vent. On va tout fouiller, rien à foutre. On sait jamais sur un malentendu. Peut-être des munitions? En fait, ils m'ont même pas laissé le temps vraiment de comprendre la situation, de savoir où aller. Ils m'ont quasi rushé. C'est pas bien grave en soi, parce que franchement, on s'en est bien sorti. Et il reste quand même une trousse de soins. Mais ça déstabilise un peu. Des ciseaux, ça c'est très bien ça. Et là, on n'a plus rien. Je vais garder ça au cas où. Toujours en poche. Et là, on n'a rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a tout bien fouillé. On est bon, on peut partir. On peut partir. Ok, la sortie est là. Peut-être 360. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour faire un 360 d'un coup. Ça serait pas mal. En vrai, ça aurait pas été trop, je pense. Regarde. Faut que tout le monde se ramène ici. Super, y'en a d'autres. Putain, viens d'où ces coups de feu? J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Ok. Contourne-les. Ouais, j'y vais. Ellie. Oh, y'en a d'autres. C'est la crue. Déconne. Faut pas qu'elle s'échappe. C'est pas possible. Je vise comme une brindille. Kira, avancez. Ah, elles ont filé. Dispersez-vous.
trouver où elle se cache. Putain de merde ! Salope ! C'est pas vrai, hein ? Kera ! Oh la vache ! Comment ça devient compliqué, ça, hein ? Merde, il y en a un paquet. Je te l'ai posé. Ok. Comment ça devient très complicado ? La sueur est bien présente, je peux vous rassurer. Oh la vache. Oh, oh, oh. On commence cet épisode dans les problèmes, mine de rien. Je pensais que le Molotov allait avoir peut-être une meilleure distance, mais pas du tout. Que nenni. J'ai cassé ma barre de fer, et là je peux plus tout faire. Ok. Bougez pas. En vrai, j'ai trouvé un soin. Oh là là, soin au cocktail Molotov. Allez, un vrai soin. Je préfère être au max à chaque fois niveau soin. Ça me paraît être un bon plan. Bon, je les ai quand même bien arrachés. Oh, la brique! Désolé. Ça m'a trop manqué. Très bien. On peut se casser. Là, peut-être. Non, en vrai, fouiller là-haut, ça peut être pas mal. Bougez pas. On sait jamais, franchement, sur un malentendu, on peut trouver des trucs assez ouf. Mais dommage. Si, regardez. Hop, de l'eau. Et une bouteille. Pas mal. Il faut prendre. Clairement, je me déplace pas pour rien. Nickel, en tout cas, notre abri. Hein. Quel plaisir. Hein. Peut-être là-haut. Peut-être un petit truc qui nous régale. Non. Dommage. Allez, on continue. Ça va me soigner, je suis midlife, je suis méga bien en vrai. Ok, alors. J'ai pas mal ici. Très bien, il me faut. Ok. J'ai malheureusement pas ce qu'il faut ici. Là, il me manque 60. Très bien. Une trace. Une brique encore. On les emmerde, les wolves. On prend tout. Très bien. Elle est où? La patrouille d'Adrienne. Merde. Hé, hey, vous deux. L'intruse a filé. Quoi? T'as vu un truc? Non. Faut surveiller le toit. Je vais vérifier par ici. Elle est pas dans la rue, c'est sûr? Quelqu'un a regardé? Comment elle aurait pu descendre? Une idée. Quelqu'un a signalé le problème? Ils nous attaquent! Oh putain! Un salopard! Salopard! Ok. Oh putain! Ok. Ah, ça fait mal, hein? Voilà! Alors? On souffre? Tu crois qu'il y en aura d'autres? J'espère que non. Il y en aura toujours d'autres. Parce que c'est notre guerre. Et on l'a choisi. La vengeance se fera dans la douleur. Je tiens à le dire. Pour Joël. Et pour tous ceux qui sont morts. Que je trépasse si je faiblis, les amis. Bon, c'était compliqué quand même. Hein. C'était compliqué. Hein. Je comprends pas pourquoi ma première balle n'a pas fait headshot. Ça, je suis un peu triste, pour être très honnête avec vous. Mais c'est pas bien grave. Attends, on peut pas ramasser? Bah alors? On peut pas ramasser les munitions. Quelle injustice. On a une porte ici, c'est pas mal. Là, par contre, quand c'est pas désinfecté, à niveau infiltration, on peut toujours le faire, hein, mais... Va falloir qu'on s'y habitue, hein. Parce que d'habitude, c'est des... Oh. Ça, c'est bon, ça. Oh. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est pris, ça. C'est dans la popoche. C'est dans la popoche de Bibi. Oh, un atelier, non? Même pas? Alors. Tiens. Qu'avons-nous, là?
À partir de maintenant, tuez tous les intrus. On enverra d'autres unités pour retrouver l'autre femme. Rejoignez la base avancée avant ce soir. Apportez toutes les ressources disponibles. Ok, de toute évidence, on veut ma peau, mais moi je veux leur peau aussi. Donc vous savez ce qu'on fait? On va les arracher, tout simplement. Hein. Voilà, merci les gars. Merci pour vos ressources. Ça fait plaisir. Un petit atelier? J'irai pas, non. Hop, on va recharger ça. On peut pas recharger ça, malheureusement. Allez, il faut un atelier, s'il vous plaît, là. Ce serait cool. Ok, ça, on peut prendre. Et là... T'en penses quoi? Bah, c'est la merde. Ah oui, ça, ça me plaît. Des chiens. Ça y est, on y vient, les amis. Il faut qu'on s'éloigne de l'école. Tout de suite. Il doit forcément y avoir un moyen de rejoindre la rue. Des chiens. Ok, j'ai... C'est bon. Vas-y. Pas de soucis. Oh là là, là on se fait un max de ressources, ça va être cool pour crafter ça. Ah bah j'ai déjà hâte. Attends, attends. Honnêtement, attends. Ah Dina, déconne pas. Dina, s'il te plaît, allez viens. Viens. Voilà. T'es chiante, hein. T'es chiante parce que quelque chose me dit qu'il y a peut-être quelque chose là-haut. Voilà, une micro-cascade. Regardez-moi ça. Voilà. Une carte à collectionner. Alors, retournez. Cardio. Coureur de fond, Pedro Rojas rêve désespérément de victoire. Quand Spark lui promet une endurance infinie s'il accepte de participer à une expérience menée sur des cœurs artificiels en Vélocitanium, il accepte sans hésiter, puis, une fois opéré, course cachée, se faisant appeler Cardio, peut désormais courir plus vite et plus longtemps que quiconque. Souhaitant toujours achever l'expérience, les chercheurs de Spark continuent de le traquer, mais il leur sera difficile de l'attraper. Et c'est un héros. Et ben voilà, tu vois. Faut tout bien fouiller. Regardez-moi ça, on se bordit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça? Bien sûr que c'est beau tout ça. Par la même occasion. Allez, un petit molotov en plus. Il n'y en a jamais trop. Bon, on a des balles de tout, mais des balles de rien aussi. Et ça, c'est très stressant. Donc, on va aller fouiller tout tranquillement. Là, le projet, c'est se régaler. Se régaler. Pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez d'action, normalement, faut qu'on descende dans la rue. J'ai ce qu'il vous faut. J'essaye de voir un petit peu... Oh, une PlayStation 2. Ah non, c'est une PlayStation 3. My bad. 3. À quoi jouait-il? Je me pose la question. Moi, je dirais... The Last of Us. Ok, on va fouiller là. Très bien. Très bien aussi. On va fouiller là. Très très bien. Non mais c'est méga bien ça. C'est méga bien. On se casse. Oh là 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 là, on se régale hein. On se régale, ça s'arrête plus. La régalade n'est jamais finie. Oh là 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 là. Les gars, faut vraiment que je trouve un établi hein. Ça commence à être très très cher. Tout ce qu'il y a là. Faut que je trouve un établi au plus vite, ça serait pas mal. À mon avis, j'ai de quoi bien custom. Et là, y a rien. J'ai de quoi bien custom et me faire plaisir. Comment on peut savoir combien on a de... C'est dommage, on peut pas vraiment savoir. On peut pas vraiment savoir, c'est triste.
comme envie de pleurer. Hop, ça, je prends une petite pastille. C'est pour la gorge. On dirait qu'il y a personne. Ouais. Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Lis la lettre. Jordan, Isaac nous a envoyé en mission pour 2 semaines à la station télé. Des scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerais, Léa. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là ? Y a qu'un moyen d'en être sûr. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons choper Léa. Bon, vu qu'on sait pas ce que Tommy fait et qui il est allé chercher, bah autant s'en prendre à Léa et lui arracher la gueule, n'ayons pas peur des termes. Elle a eu aucune pitié. N'oubliez pas que le seul but, c'est la vengeance. Hop, voilà, moi je prends des raccourcis. Hein. Oh, ça c'est un barbecue, ça vaut une blinde, hein. Je vous le dis, c'est du Weber. Hein. Et Weber, ça coûte très très cher. Hein. Allez, go. Bon, mon cheval, paillette. Ça va ? A sauté sur une mine, ouais. C'est horrible. J'ai bien cru que c'était foutu pour moi. Merci de m'avoir sauvé, d'ailleurs. C'est normal. Alors, eux, c'est les Wolves. Et ils ont plein d'armes. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'ils seraient autant avant de partir ? Tommy m'avait dit qu'ils pourraient être nombreux. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Hé, hey, ils peuvent être 150, gaffe, t'as tué Joël, j'en ai rien à foutre. Il y en a plusieurs qui ont essayé de me buter par ici. Combien ? J'en ai croisé 2, mais je suis sûre qu'il y en a plus. On fouille tout, hein. Et dès qu'ils auront pigé qu'on n'est plus dans l'école... Et qu'on a buté leur putain de pote... Ils vont mettre le paquet pour nous retrouver. Très bien. Putain, y'a que dalle, c'est pas vrai. Attendez, peut-être du côté de la piscine, non ? Je sais pas. Si c'est ouvert, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour nous régaler là-dedans, non ? Quand même. C'est pas possible. Que dalle. Ok. Il y a du sang. Il y a du sang, c'est Tommy qui est passé par ici. On va tout fouiller en bas. Oh, Tommy laisse beaucoup de choses, hein, quand même. Ok. Très bien, ça. Très bien, ça aussi. Allez, hop, prends-la, s'il te plaît. Tu l'as pas prise. Ah, d'accord. Attends, ça se joue entre toi et moi, c'est ça, la bouteille ? C'est pas possible, putain, tu vas la prendre, cette bouteille de merde ? Mais quel est con ? Elle veut plus la prendre. Attendez. Peut-être qu'en prenant autre chose, revenant dessus. Oh non! Putain, je peux pas la prendre! Mais c'est terrible! Si, c'est bon. Oh doux Jésus. Mais... Je peux pas! Je bombarde croix... Je bombarde triangle, ça marche pas! Oh non! Mais ça arrive qu'à moi! C'est pas vrai! Allez! Je ne peux pas la prendre. C'est mort, les gars. On passe à côté d'une bouteille. Bon. Et ben voilà. Eh, mais ce serait quoi le meilleur jeu du monde sans des bugs avec Bibi? Eh, c'est, ça n'existe pas. Je peux pas la prendre. Malgré qu'il y ait écrit triangle, Ellie ne veut pas. Voilà, je pense que la porte doit être considérée. Oh, putain. Attends, là c'est une vraie bagarre. Ici c'est la rue. Voilà. Comment c'est de chiant, ça. Hop. Bon, ça au moins je peux prendre. Ouais.
qui bat à ce malheur. Merci de m'avoir aidé en tout cas, Dina. Ça fait vraiment plaisir. Bien pris ma race. Ok. Normalement, si tout se passe bien, regardez. Je peux le faire. Voilà, mon pote. Je me suis fait une batte cloutée. Je peux... Vous m'en direz des nouvelles. Parce qu'à mon avis, ça one shot. Hein. C'est pour ça qu'on peut le custom. À mon avis, j'en suis même quasi sûr. Hop. Ça, c'est dans la boîte. Ouais, mais vous savez que... Peu importe le jeu, hein, ça peut être le meilleur jeu du monde. Quand je vais faire Cyberpunk, je vous le dis. Hein, les bugs, ça sera Bibi. Hein, ça sera personne d'autre. Hein. Si vous voulez voir des bugs, c'est chez moi qu'il faudra passer. Hein. Pas chez le voisin. Hein. Alors, on a une lettre. Dis-nous tout. Ils m'ont mordu. Tina est morte. Ça fait un moment qu'on picole pendant nos patrouilles. C'était un poste de merde. Pas d'infectés, pas de scars. On était loin de tout. Son frère fabrique de l'alcool. Alors on avait l'habitude de boire et parler. Ça a duré des mois. On traînait dans l'épicerie et des coureurs nous ont surpris. Dites à son frère que je suis désolé. J'ai essayé de la sauver. Et dites à ma mère que je l'aime. Chevy. Allez, ça dégage. Ça, c'est fini. Je sais pas si c'était gentil ou des méchants, mais ça sera sans moi à tuer. Hein. Rien à foutre, j'ai plus aucune pitié. Là, je veux juste arracher tout le monde. Bah, c'est bien d'avoir subi le sang. Mais ça mène à rien. Parce qu'ils sont tous morts. Bougez pas. Voilà. Ça, je peux le recharger. C'est un canon de 6, je reconnais. Très bien. Ok, on a le plan. C'est dommage qu'on puisse pas prendre le plan, par exemple, là, pour le coup. C'est vraiment dommage. Oh, c'est grand. Il y a un truc qui tourne pas rond. Pourquoi ils vous ont pas tué, Tommy et toi, quand ils en avaient l'occasion? Je sais pas. C'était risqué de leur part. Peut-être qu'ils sont juste cons. Peut-être que... Quoi? C'est pas après vous qu'ils en avaient. Et donc, ils vous ont relâché? Ouais, après nous avoir mis une belle raclée. Ce connard de Jordan m'a défoncé la tête. C'est vrai, mais... Pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout en... C'est pas important. Ils ont eu tort. C'est clair. Ok. Faut pas se poser ces questions-là. On est en vie, c'est pas pour Elle rien. Elle s'appelait comment déjà, donc la fille de la note? Celle de la station télé? Léa. Est-ce que c'est elle qui... c'est elle, la fille avec la tresse? Non. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendue pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Okay. Alors, comment on va s'y prendre avec elle? On va la faire parler. Faut qu'on sache où trouver les autres, on verra après. Oh, bien, ça. Tu comptes lui demander pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Hey Dina, ma sœur, tu poses Est-ce que ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé? Rien de nouveau, non. Tu crois qu'il aurait pu te cacher des choses? Carrément. Il était pas du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tommy pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Hé, les ennemis de Joël sont mes ennemis. Toutes les instructions, ok, couvre-feu s'applique jusqu'à... Hey, regarde ça. Très bien. Seattle a pas gagné au change avec eux. Ok, on va fouiller là-haut. Sur un malentendu, on peut trouver des choses intéressantes. Toujours pas trouvé d'établi, par contre. Ça commence à devenir un petit peu frustrant, en fait, de débloquer beaucoup de pièces et de pas pouvoir en faire grand-chose. Je vous cache pas que là, je suis un petit peu fâché. Par contre, j'avoue qu'on peut rentrer dans énormément d'endroits. Et ça, c'est plutôt très plaisant. Pas l'impression de tourner en rond. Pas l'impression que ça soit mal indiqué ou autre. Le level design est plutôt carré là-dessus. Mince. Ah, regardez-moi ça. Fais quoi avec ça? Attends, allez. Ok. Ok, ok, ça paraissait logique. Tu veux pas m'aider, ma sœur? Attends, c'est quoi ce délire? Attends, je peux rien faire avec? Il y a un problème, je crois.
Ah, d'accord. Ok. Non, il n'y a aucun problème. En fait, la roue, elle est kéblo. Ça veut dire que si je m'en sors bien... Normalement... Non ! Oh non, j'ai le démon. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Oh non, dites-moi pas que c'est un bug. Pas à moi. Ah putain. Ok, je savais bien qu'il y avait la roue bloquée, mais putain, à ce point-là. Voilà. Très bien. Je reviens tout de suite. Allez, régalez-moi par contre là-haut. Hein. Je veux une régalade. Y'a rien. C'est incroyable, y'a que dalle. Ok, un chiffon. Des ciseaux. Ah, j'ai toujours un peu d'amertume par rapport à la bouteille que j'ai dû laisser derrière. Là, souvent, il y a des trucs sympas comme des pilules. Pour s'upgrade. Très bien, ça. Pas mal du tout, dites voir. Oh, regardez ce qu'il y a à droite. Regardez-moi ça. Une bombe artisanale. Bien. Quoi, ce truc? Très, très bien. Une sorte de bombe. Se déclenche au passage d'un ennemi. Appuyez sur R2 pour en poser un. Bien foutu. C'est bien foutu, mais bien sûr. Voilà. On peut l'étudier, on peut même en créer. C'est incroyable. Allez, on va se refaire ça. On va se refaire ça. On va même s'en faire trois. Eh, autant aller au bout du plaisir. Ici, c'est que du plaisir, c'est que de l'amour. On va aller dans la pièce d'à côté. Très bien, on a découvert un nouvel objet. Petit coup de moonwalk qui font plaisir de la part de Ellie. Ok. Tiens, regardez-moi ça. Hop. En vrai, l'idée n'était pas mauvaise de jeter une brique là-haut. C'est juste qu'en fait, bon bah voilà. Vite, on a été cambriolé hier, c'était Jimmy, j'espère qu'il était seul. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'en parler. Ton fils et toi comptez beaucoup pour moi, on a plus que jamais besoin de se serrer les coudes. Il y a assez de criminels comme ça dans cette ville. Très bien. Ajoute un peu d'eau et de sel et tu verras, ça fait illusion. C'est pas grand chose, mais j'espère que ça vous aidera à tenir jusqu'à la prochaine étape. Un peu d'eau et de sel ? J'ai pas tout saisi. Après, avec un peu d'eau et de sel, tu fais des pâtes. Mais faut-il encore avoir les pâtes ? Ouais. Un beau butin. Voilà. Là, y a rien. Si. J'ai ma petite idée. Bougez pas. Voilà, on va pouvoir passer par là. Bon, je sais qu'on peut aussi passer à gauche, mais autant se créer des chemins. Ici, c'est que de l'amour. On profite du level design au maximum. Voilà. D'ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment? Voyons voir. Ah yep. Ah yep, on n'a pas trop le choix de toute façon. Hein. Ok. Attendez, putain, j'ai une carte, j'ai quelque chose, j'ai rien du tout en plus. Peut-être... Non, non, j'ai pas de carte. J'ai rien du tout. C'est terrible. C'est terrible. Des wolves. Moi avec lui. Merde. Les ras-le-bol. Tu sais combien d'indigestion j'ai eu? C'est pas pour rien que je me suis mis à la pêche. Je commence à avoir faim. Hein? Arrête un peu de parler de bouffe, alors. Ouais... Désolé, je suis très concentré. Ah, quelque part dans le coin. Et on est sûr que c'est pas une scar? Elle est à cheval. Non, c'est pas une scar. Ah. Alors les scars vont lui régler son compte. Allez, qu'est-ce qu'on a à faire? Ils vont rendre du fait, ok? On n'arrivera pas à la tenter avant les scars. Tant mieux. On peut faire trouver le corps et la famille. Non,
charge. Sur ma gauche. Fais gaffe. Ok. C'est injuste que j'ai été cramé, mais bon, c'est pas grave. C'est bon. C'est la vie que j'ai choisi de mener, les amis. C'est la vengeance, la haine. Droit devant. Désolé, je devais te décalquer la gueule. Ok. Il en reste? Normalement, non. Je crois pas, non. Bien. Bon. Merde. Comment ça devient difficile, là, ces petits moments d'infiltration? Il y en a que tu reconnais. Non. Allez. On va reload ça très vite. Cette zone de quarantaine. Ouais, elle est grande. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout? C'est trop, regarde. J'espère ça. Que non. Droite, gauche, derrière. Oh là 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 là, on va pas s'en sortir avec vos conneries là. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ok, bon. Comment on va faire? Va falloir tout fouiller. Allez, c'est parti. C'est gigantesque en vrai. Bon, c'est bien, ça pousse le réalisme. C'est ce qu'on aime. Mais c'est vrai que c'est très grand. Et tant que t'as pas de carte, compliqué un peu de se repérer. Donc on va juste longer les murs à chaque fois. Le but étant pas de trouver la suite de notre histoire. Le but étant quand même de fouiller un maximum de trucs et de choper un maximum d'éléments. Ah, je savais pas qu'on pouvait accéder en dessous. C'est très très bien. Sur un malentendu, il y a peut-être quelque chose. Regardez-moi ça. Ah, je suis friand. Dès que je peux rentrer quelque part, moi ça me fait plaisir. Hop, des ciseaux, je prends. Hop, ça, ça m'a fait flipper quand ça a pop. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Machine à repasser automatique. Bon, c'est plutôt pas trop dégueu. Vous avez vu, on avait plein de solutions pour aller sur le toit. Hein. Faut vraiment un peu regarder la zone. Ah, chez Nancy, je l'adore. Elle fait un petit thé menthe, je vous raconte pas. Une véritable dinguerie. Ok. Et ben. Ça donne quoi ici? Juste des trucs d'Halloween. Il y a des trucs plutôt marrants. Moi, je suis pas fan. Voilà, mais on prend. Des scotchs, toutes ces conneries là. Hop, j'ai déjà ma brique, c'est pas grave. Très bien. Je suis vraiment dégoûté qu'il n'y ait plus Joël. Il nous apprenait la vie. La première fois qu'on a vu une girafe, c'est avec Joël. Oh, c'est gigantesque, arrêtez, c'est quoi ces conneries? Bon, alors, on va essayer de voir un peu le camion, comment ça se passe. Non, on peut pas l'ouvrir, c'était évident. On va essayer de voir cette porte, comment ça se passe aussi. Il y a trop de choses à faire et à voir. C'est très compliqué. Faut vraiment avoir les yeux partout. De toute évidence, on ne peut rien faire ici. Oh, parking souterrain. Et toujours pas d'établi, hein. C'est incroyable. Attendez, mais faut sucer qui pour avoir un établi, parce que bon. Puis sans paillettes, la vie est différente. On peut monter là-haut. Attendez, bougez pas. Et une station essence. C'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. On va passer par ici. Bon, un établi. Oh là là, merci. Merci à tous. Le pompe. Alors, faut savoir que j'ai enfin reçu mon code parce que j'avais acheté le collector. Et je crois que ça donnait une amélioration de pistolet d'avance. Mais c'est pas sûr. Je peux pas améliorer autant de choses que ça en vrai. Hein. Cadence, moins de recul. 40% de dégâts en plus, ça se fait. Hein. Là, je veux augmenter les dégâts, je veux que ça swing. Hein. Voilà.
Je veux que ça devine chicote, hein. Ça, on va augmenter les dégâts aussi. Voilà. Régale-moi. Oh, je change le bout de canon, c'est génial. J'ai une patrouille. Alors là, je te déconseille. Rien que l'odeur te fait tourner de l'œil en une de... Je me dis que c'est le bon plan. Je pourrais me défouler sur ces connards et être en lien direct avec Isaac. N'imagine pas ce qu'il leur donne qu'on leur fasse. Quand tu les entends okay. Voler à la mort, tu tues, putain. Je te rends. Bon, tiens, tu veux, je commanderai. C'est sympa. Mais je peux te donner un conseil. Vas-y. Démerde-toi pour les faire parler et finis bien. Écoute pas leur. Ça dépendra du scar en face de moi. Tu crois pas? Ici! Là! Ok. Ouais, on fait ces petites emplettes. Juste ici. Désolé, désolé. Ok, je suis ultra concentré. Passe jamais ta tête comme ça, ma sœur. T'en vois d'autres. Jamais faut faire ça. Complètement timbré, toi. Jamais passer comment sa tête, voir ce qui se passe. Comment on va faire pour choper Léa toute seule? Y a du monde partout dans cette ZQ. Oh, le bras. J'ai juste besoin d'une minute pour lui parler. Tu vas l'obliger à parler? Oh, le bras. S'il le faut. Aïe, aïe, aïe. Bon, ils étaient quand même pas mal nombreux, en vrai. Vous vouliez de l'action? Ouais, B-Boy, j'ai l'impression que ton jeu, c'est un film. Trop de cinématiques. Non, hein. T'en as de l'action, frérot, hein. Faut pas se plaindre, maintenant, hein. Ok. Bon. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Ça peut être très sympa. En vrai, je peux améliorer le recul du petit pistolet. Ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça, on repart à zéro. Réduction plus recul. Ça va... swinguer, je te le dis. Voilà. Allez. Très bien, ça. J'espère que vous êtes fiers de moi. Parce que moi, je suis fier de moi. Et ça, c'est le principal. Et on va s'arrêter là, évidemment. On a fait la station essence. On a liquidé tout ça. Emballer, c'est peser, comme on dit dans le milieu. Au niveau infiltration, je vous cache pas que là, ça swing. Ouais, j'ai une revanche à prendre. Hein ? Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vais finir de fouiller tranquillou ces petites toilettes. Là, voilà, ça fait plaisir. Et je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous à tous. Portez-vous bien. Et à demain. Bye bye. Hop, on va s'arrêter juste ici. Ciao, ciao.